Bonjour les Verseaux, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'Éveil les Verseaux. Pour vous aider à faire de cette période, octobre, novembre, la plus belle des périodes de l'année, j'ai décidé de vous proposer un tirage sur l'oracle du Béline. Donc fermez les yeux, pensez à vos questions les Verseaux, 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 octobre, 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 novembre 2020, que va-t-il se passer pour les Verseaux? Et c'est parti les Verseaux, j'espère que vous êtes prêts à entendre une histoire, votre histoire. Oh, on me dit qu'actuellement, les Verseaux, vous vous sentez un peu pieds et mains liés par rapport à une situation, vous devez être dans un temps de changement, d'évolution. En tout cas, quelque chose qui ne vient pas, vous êtes un peu pieds et poings liés, c'est un peu hors de votre contrôle, ça peut être par rapport à ce confinement, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous fait des promesses, mais ces promesses ne viennent pas. En tout cas, voilà, une période un peu compliquée pour les Verseaux, vous vous sentez pieds et mains liés par rapport à une situation, par rapport à l'épreuve que vous traversez sur votre chemin de vie. Et on me parle de discussions négatives pour pouvoir matérialiser la vie de vos rêves, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Par exemple, vous voulez emménager avec votre chérie, mais vous sentez pieds et mains liés parce qu'il a peur. Résultat, il y a des discussions négatives, il trouve que c'est trop tôt, ou ça peut être pieds et mains liés par rapport au travail. Vous pouvez pas vous chercher un nouveau travail, mais il y a des discussions négatives parce qu'à cause du confinement, on peut pas vous laisser travailler, on vous engage pas. Enfin, une période un peu compliquée pour les Verseaux, sur octobre, novembre, fin octobre, début novembre, vous vous sentez un peu pieds et mains liés par rapport à une situation, donc adaptez les cartes en rapport avec votre chemin de vie, avec l'épreuve que vous traversez. En tout cas, vous êtes face à une épreuve, vous vous sentez pieds et mains liés par rapport à cette épreuve, et même si vous essayez de négocier, il y a toujours des ralentissements, des discussions négatives, des choses qui vous empêchent de matérialiser le projet que vous essayez de matérialiser. Et effectivement, ça vous a créé du retard sur votre chemin de vie. Du retard, également des inquiétudes. Vous avez un projet, mais vous êtes bloqué. Ça dépend pas de vous, c'est à cause du confinement, à cause d'une tierce personne, à cause de l'économie, à cause de Macron, à cause de peu importe en tout cas. Ça ralentit les choses, ça ralentit, donc on a la carte du retard. Rassurez-vous, le retard, un conflit qui crée du retard, donc des difficultés que vous avez traversées récemment, qui créent du retard sur votre chemin de vie, le retard c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va se concrétiser, c'est juste que ces petits aléas de la vie ces derniers temps, cette période astrale un petit peu de turbulence, a ralenti vos projets, mais ça ne veut pas dire que ça va vous empêcher de les réaliser, au contraire, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Encore une fois, si c'est des épreuves sentimentales, par exemple faire une nouvelle rencontre, ou si c'est relation de couple, faire évoluer votre relation, si c'est sur un plan professionnel, bah faire évoluer votre carrière professionnelle. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur, on a la pensée intime qui ressort, quelque chose qui tient à cœur, mais quelque chose qui est difficile à matérialiser pour l'instant, vous êtes ralenti par des petites discussions négatives, des petits blocages, indépendants de votre volonté. Mais rassurez-vous, pendant cette période d'octobre-novembre, c'est le meilleur qui vous attend. Fini les blocages. On me parle d'apaisement par rapport à la situation difficile que vous endurez. Par exemple, si vous avez des tensions dans votre couple, un apaisement dans votre couple, la passion revient. Un apaisement par rapport à votre vie en général, par rapport aux financiers. En tout cas, on rentre dans une période qui va vous être beaucoup plus favorable. La campagne à la santé représente l'apaisement dans votre vie, l'apaisement dans votre famille. Pour ça, s'il y a eu des tensions dans votre couple ces derniers temps, ces tensions vont s'apaiser. On rentre dans une période où votre ciel astral commence à se dégager. Une période plus favorable, même s'il y a eu des ennemis qui vous ont empêché de réaliser votre mission d'âme. Des ennemis, des influences négatives. Ça peut être des personnes négatives, des personnes toxiques, comme ça peut être des situations, comme ce confinement qui est un ennemi par rapport à notre mission d'âme, hein, qui on nous empêche de sortir. Donc vous voyez, des petits blocages, ennemis, qui vous ont ralenti, des discussions négatives, des conflits, ça n'a pas été facile, mais cette période se termine. Agissez avec sagesse, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si une porte se ferme, ça veut dire qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir, une autre porte plus adaptée à ce que vous êtes. Dans la vie, c'est pas toujours ce que l'on veut, mais c'est toujours ce qui est le mieux pour nous. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous avez envisagé des chemins, des projets, vous avez été ralenti, parce qu'il y a un autre chemin, un meilleur projet, qui va vous permettre de concrétiser ce que vous avez envie de matérialiser. On me parle d'union durable. Donc on parle d'une union durable pour vous. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, bah votre relation va se renforcer,
on rentre vraiment dans une période de relation durable. Si vous êtes célibataire, c'est une période très favorable pour faire une rencontre qui va compter dans le temps, pas juste une rencontre d'un soir, pour faire évoluer la relation, s'engager. Mais ça peut être également une union durable par rapport à du professionnel, c'est-à-dire trouver un CDI, une union durable, changer de maison. Vous voyez, c'est quelque chose de durable qui va se mettre en place. Vous avez essayé, c'était compliqué, vous attendez des changements qui ne venaient pas. Ces changements vont arriver, il va y avoir des synchronicités fin octobre, début novembre, qui vont vous permettre d'obtenir ces changements sur le long terme que vous attendiez les Verseaux. Mais en attendant, comme il y a du retard, que ça traîne, qu'il y a eu des ralentissements, vous êtes plus dans une période où bah, ça vous a ruiné tout ça. C'est vrai que moralement, c'est très difficile, puisque nous traversons entre cette actualité qui est toujours en train de nous parler du pire, jamais nous aider à nous préparer pour le meilleur, ces refus, ces discussions négatives, ces ennemis, vous avez été un peu à contre-courant, tout a joué un peu contre vous ces derniers temps, les Verseaux. Pour ça qu'en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez dû perdre un peu espoir, perdre un peu de courage, vous dire non, c'est pas possible, j'ai trop de blocage, trop de ralentissement. Ne baissez pas les bras, persévérez, le meilleur vous attend et ça va arriver pour très bientôt. On me parle d'impasse. Cette impasse, c'est une illusion. Vous avez l'impression d'être dans l'impasse, d'avoir tout essayé et que vous êtes tout le temps bloqué, tout le temps bloqué. C'est la période. Il était un petit peu trop tôt. Laissez le temps aux choses de se mettre en place, aux synchronicités de se déclencher. C'est ce qui vous attend sur ce mois de novembre. C'est ce qui vous attend sur cette fin octobre. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver les honneurs par rapport à cette épreuve que vous êtes en train de traverser au moment où vous regardez cette vidéo. Sentimentale, professionnelle, peu importe l'épreuve que la vie vous a envoyée. Ça a été compliqué, plus compliqué que vous l'imaginiez. Vous avez été ralenti, il y a eu des ennemis, il y a eu des ralentissements. Ça ne s'est pas toujours passé comme vous le désiriez. La situation se débloque, sortez de votre zone de confort, osez le changement, allez de l'avant et vous verrez que c'est pendant ce mois de novembre que vous allez retrouver les honneurs par rapport à toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer septembre, octobre. Courage les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il aura... Si vous rassurez, c'est juste vous rassurer finalement. Parce que le meilleur arrive, mais quand ça tarde, des fois, on se met à douter, on se met à hésiter. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait d'écouter mon cœur? Oui, les Verseaux, vous avez bien fait. Et même si vous avez été ralenti sur votre chemin de vie, en aucun cas, vous n'avez été arrêté. Donc, continuez d'avancer. Continuez de chercher votre chemin, même à tâtons, dans le noir, même sans savoir où vous allez. Avoir la foi, c'est embrasser le plan de l'univers, même si on ne le comprend pas. Et si vous avez été bloqué, c'est pas pour vous embêter. Une porte s'est fermée, c'est pour vous permettre de trouver une autre porte qui va pouvoir mieux vous apporter ce que vous attendez. Donc allez de l'avant, sortez de votre zone de confort, croyez en vous, croyez en vos rêves, et vous verrez que derrière votre peur se trouvera le bonheur. Un super mois de novembre se prépare pour vous les Verseaux, et vu tout ce que vous avez traversé, vous le méritez. C'était le message d'Hermès. J'espère que ce tirage vous aura donc bien rassuré. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook. La troisième dimension de l'Académie de l'Éveil est gratuite et ouverte à toutes les belles âmes qui veulent assez folles pour vouloir rendre ce monde meilleur, assez folles pour vouloir matérialiser la vie de leurs rêves, assez folles pour se lever de toutes ces peurs limitantes qui te font croire que tu n'es pas capable de, pas capable ou que tu ne mérites pas le bonheur, l'amour, l'abondance. Alors que c'est ton destin, ça fait partie de ta mission d'âme. Tu t'es incarné pour être heureux. Donc écoute ton cœur et tu trouveras ce bonheur. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires de cette vidéo, à nous rejoindre notre communauté Facebook pour pouvoir poser tes questions directement aux académiciens de l'éveil, de belles âmes qui sauront te guider, qui sauront éclairer ton chemin vers la lumière. En attendant, je te souhaite de passer la plus belle des journées. Un super mois d'octobre, un super mois de novembre, une belle fin d'année et je te dis à très bientôt.